C'est pas nous qui faisons le défilé, hein. Donc il n'y a pas de problème, ça sera certainement beaucoup mieux par la suite. Mais tout d'abord, tout d'abord, je tiens à vous remercier une fois de plus de monter au salon d'association qui est Paris, capitale de la création. Et nous allons donc, on va traduire en turc dans la mesure où le prix cette année va être remis aux créateurs turcs. Donc là, je vais passer la parole. Il y aura une traduction en turc parce qu'il y a toute une délégation turque et il y a tous les créateurs turcs qui sont présents. Donc, je te passe la parole. Sayın Xavier Clergeri. Sayın Xavier Clergeri bu yıl 25. yılını kutlayan bu fuarın kurucusu ve aynı zamanda Paris Tasarım Başkenti Derneği'nde başkanıdır kendisi. Paris Tasarım Başkenti Derneği'nin hedefi başkent Paris'i dünyanın tasarım alanındaki buluşma noktası haline getirmektir. Derneği üye fuarlar tarafından her sene yılın tasarımcıları belirlenerek katılımcı marka ve tasarımcılara tasarım ödülleri dağıtılmaktadır. Şu an Who is Next Paris Fuarı'nın yılın tasarımcıların ödüllerini vermek üzere sahnede karşınızda Sayın Clergeri. Bu yılki seçimimizi biraz farklı oldu. Türk tasarımına ışık tutmaya karar verdiler. Birkaç dönemdir Türk marka ve tasarımcıların etkinliğimize ilgilerin arttığını ve tasarımcıların tüm dünyada büyük ilgi gördüğünü gözlemledik. Donc je reviens simplement sur l'association. Donc l'association, c'est le regroupement des salons de mode et de création parisienne. Entre autres Maison Objet, le Salon Mondial de la Lingerie, Bijorka. Et nous avons comme objectif de faire la promotion de la création à l'échelle internationale de la place de Paris. Que la Turquie est un marché en pleine expansion qui a deux niveaux. On a énormément de plus en plus de beaucoup d'acheteurs. C'est un pays qui monte en puissance d'année après année. Et c'est Paris Tasarım Başkenti ev ve obje, uluslararası iç giyim fuarı ve Bijorka gibi Paris merkezli fuarları buluşturmaktadır. Demin de dediğim gibi derneği üye fuarlar tarafından her sene yılın tasarımcıları belirlenerek katılımcı marka ve tasarımcılara tasarım ödülleri dağıtılacak. Bu sene Türk tasarımcıları seçtik. Türk tasarımcıları seçmemizin nedeni de Türk giyim sektörünün özellikle bu dönemde artık çok fazla büyüme göstermesidir ve önemli açıda da tasarımcıların başarılı olmasıdır. Et donc je tiens à Turc dans le monde entier et qui en fait la promotion, c'est l'association İKTİB. Et c'est Monsieur Hikmet Tandiverdi qui en est le président. Et je vais lui passer la parole afin qu'il vous exprime lui aussi son point de vue de la Turquie. Şimdi ödülleri vermek üzere önceden Hikmet Bey'i dinleyeceğiz. Hikmet Bey, İKİB Başkanı, sözü de kendisine veriyoruz. Bonjour. Ben ilk önce teşekkür Mr. Şavi'ye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'ye ve Türk tasarımcılarına göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı. Önemli ilham kaynağı olmuştur. Paris est une capitale de la mode. Elle est connue justement pour être un point culminant de la création de par son passé historique et de par son passé artistique. Fransa, Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında dördüncü sırada bulunmaktadır. O yüzden de Who is Next, Türk tasarımcısı için çok önemli bir uluslararası platformdur. La France est une plateforme très importante pour la Turquie puisque elle tient le rang de quatrième importateur de prêt-à-porter
pour la Turquie. Türkiye'yi temsil etmekteyiz burada. Alors, cette année, on a un record sur le salon puisqu'on a 41 marques turques. Pour la première fois, on a autant de marques qui représentent la Turquie et qui exposent sur notre salon, sur le salon Osnext. Bugün sizlere ayrıyeten bizim açımızdan önemli müjdeli bir haberi de vermek istiyorum. 2014 Temmuz ayındaki Who is Next'te Türkiye konuk misafir ülke olarak yer alacak. À l'édition de juillet, Who's Next, en juillet, la Turquie sera l'invité d'honneur du Who's Next. Le Who's Next aura pour thème principal la Turquie. Türkiye hazır giyim sektöründeki başarılarını özellikle son yıllarda tasarım alanında da yansıtmaya ve dünya çapında önemli başarılara imza atan tasarımcılar yetiştirmeye başladı. Comme vous savez, la Turquie ces dernières années connaît une expansion, une grande expansion en matière de création, puisque de nombreux créateurs en fait émergent en ce moment, et donc c'est la raison pour laquelle la Turquie vient en force à Who's Next. Biz de ekip olarak Türkiye'de tasarım kültürünün oluşmasına ve markalaşma anlamında her alanda bir iş modeli ortaya konulmasına bugüne kadar yardımcı olduk. Bundan sonra da yardımcı olmaya çalışacağız. L'association de prêt-à-porter et de textile d'Istanbul est là pour aider justement ces créateurs et à émerger et des soutiens dans leur chemin créatif. Tabii bizim hedefimiz Türkiye'yi bir moda ve tasarım ülkesi haline getirmek. Bugün burada bizim için yine önemli bir olaya imza atacağız. Fransa'da ilk defa ödül verme şerefi bana nail oldu. Çevirebilecek misin bilmiyorum. Bugün burada Paris Capital de la Création ödüllerini dört Türk tasarımcıya vermekten de büyük bir gurur duyacağım. Maintenant, à la remise des prix, il y en a quatre. Là, je serai là pour annoncer le début du prix et Monsieur Hikmet Tandiverdi donnera le nom en turc parce qu'il le parle beaucoup mieux que moi. Donc, alors, au nom de quatre, excusez-moi. Alors, je tenais à vous dire aussi, je mets mes lunettes, ça me fait penser à quelque chose. C'est que ça fait 20 ans qu'on fait Who's Next et ça sera en juillet prochain. Donc on va avoir le salon à l'honneur avec la Turquie et on va fêter nos 20 ans. Donc là, je pense que ça va être une énorme bringue à tous, ça j'annonce, et avec énormément de choses qui se passeront à partir de juillet prochain. Donc pour en arriver à la remise des prix, alors je vais appeler la première dans la catégorie Who's Next Ready to Wear. C'est une habituée de notre salon. Elle est plutôt dans une catégorie couture. Elle le vient pratiquement chaque saison en tant qu'exposante. Et elle s'appelle... Özlem Suer. Merci de l'applaudir. L'Europe, voilà. Un petit mot quand même. Bizim için, tasarımcılar için çok önemli hazır giyim sektörü. Dolayısıyla hazır giyim ve yaratıcı sektörün bir arada olduğu burada ödül almak çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. La marque Vaco. Vaco est une marque turque de haute gamme et moi j'ai l'honneur d'accepter ce prix au nom de ma marque Vaco. Merci beaucoup. Récompense. Une créatrice qui dans sa création a une vraie création décalée et c'est ce qu'on aime bien à Who's Next.
C'est la, la créatrice Hande Çokrak. Hande Çokrak. Tu veux dire un petit mot? It's okay? Personne, thank you. Thank you. Et une toute jeune marque sur laquelle nous avons flashé, choisi la marque Esra Karadeniz pour Ekria. C'est toi qui l'as fait la photo finale avec tout le monde. Bravo. Allez, on fait une photo et après ça.